Le dernier sondage, eh ben, il n'y en a pas eu parce que le site Stropol qui nous sert à faire les sondages est en maintenance. Ceci, il y en a un nouveau et je l'ai déjà préparé. Il s'agit de à quelle régularité doivent apparaître les events. On a déjà fait un event qui sera rediffusé dès que possible sur la chaîne de la MCGA Team. On a déjà une deuxième map en stock pour faire les events. Et je vous propose ici à quelle régularité on devrait les faire, sachant que chaque event est streamé et tous les joueurs, y compris les comptes craqués exceptionnellement uniquement pour les events, sont également invités. Sinon, je tiens toujours à vous rappeler que le serveur survie Minecraft est offert toujours ouvert pour les premiums, qu'il y a toujours les candidatures, il y a toujours Discord, tout est toujours ouvert et vous êtes toujours invité à jouer avec nous sur ce serveur, même s'il a connu une petite phase d'inactivité. Donc je vous invite à le rejoindre réellement. L'épisode que vous allez suivre est l'inauguration au public du serveur, donc un gros bordel, très long vous allez le voir, mais on s'est quand même vachement éclaté. Donc sur ce, bon épisode et n'oubliez pas de voter dans la description. Bonjour et Minecraftien, ici Bonjour et Minecraftien, ici c'est LB35 pour le premier épisode en public de Minecraft s'est offert. On est un paquet de gens, donc trois joueurs et plein de MC4. Ça fait plaisir de voir autant de monde ici. On a galéré à fond pour paramétrer le live, mais au moins on peut jouer avec des... Oh bordel, je suis en lag total parce que de Minecraft. C'est la félicité la plus totale. Je vais aller voir mon fil d'abonnement en tant que CNB pour voir si les gens... Putain, t'as l'impression d'être à la SNCF là, tellement qu'il y a du retard. Mais qui a tué Epona? Ouais, quelqu'un a tué Epona. Oui, c'est Murder Frosty. On va faire un murder. Mais c'est quoi ça? Il y en a un qui se cache en dessous du métro. Putain, mais je voulais des gens matures sur ça. Il se cache dans le métro pour ça. Au fait, je vais t'expliquer juste un truc. Il est dans le métro, putain. Donc l'ouverture du serveur est symbolisée par ce fil rouge que les gens ont décidé de couper d'une manière bien originale. On le laisse de côté, c'est pas bien grave. Non, mais regarde comment je vais le couper. Regarde, attends, moi aussi je vais le couper. Il est pas très intelligent, je vais le couper. On est bien d'accord qu'ici c'est un serveur survie collaboratif, le PVP est désactivé pour tout le monde. Regarde. Hein oh putain, non. Comment je vais le couper? Si jamais vous trouvez du sapin, vous voilà. Personne ne m'écoute. On coupe le fil. C'est le chercheur de moutage direct. Ouais, c'est bon. Vive MPO 5. Récupérez l'aile. Attention, il y a du feu. C'est le bordel. Je suis caché. On va voir CLB35 dans son coin en train de se facepalm à coup de pain. Mais ça compte. Et puis attention à ta maturité. C'est vrai qu'on sera pas toujours aussi nombreux en même temps sur le serveur, c'est ouf. Je vais voir compte là. Sur Twitch, vous êtes 4. Allez, on va faire des plans. Oui, on va faire des plans ici, 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 ici. Moi, c'est pour la bonne raison. Vous êtes admin power, c'est moi et Water. Merde. Nous deux, on est on est quand même les meilleurs stuff alors qu'on est les... on n'est pas admin quand même. Si je... ça n'a rien contre, à voir. Fanax, si jamais t'as récupéré du sapin, tu me ça n'a rien à voir et tu le sais très bien. Ouais, mais j'ai pas de par sapin. Par contre, moi j'ai un meilleur stuff que CLB. Alors qu'il vient de commencer. Je désire mettre un impôt si vous trouvez du sapin pour mon filet parce que j'ai besoin de putain de ressources. Ouais, mais je te dirai si j'envoie. J'avais pas compris. Le studio de la mort. Arrête les conneries, toi. Ah voilà, c'est bon, j'ai fini. Oh tiens, j'ai Vanio, je m'en sortais. Allez, on saute dessus pour tout casser. Oh non, nom de Dieu, mais vous avez conscience que vous êtes sur un serveur en gens mature ici. Pas d'embellir le spawn comme ça. Mais en fait, qui est en train de labourer de la terre au spawn? Qui a des autorisations pour ça? Frosty. Bah les VIP forcément. Et Frosty. On peut prendre un bateau là-bas. Frosty. Et moi je vais prendre le VIP. Je terraforme même dans la vidéo. Allez, sautez dessus pour tout casser. Putain, mais je vous jure. J'ai envie de venir dans l'abri Joris. Allez, mes enfants, allez, on casse tout. C'est bien. Et en plus, il y a même des chambres. Voilà, c'est comme ça que je. C'est comme ça que je peux y aller. Aussi, bravo aussi. Ah, Tinjoff nous doit 2 kills parce qu'il a ragé comme ça. What the fuck? J'ai tué personne. Il nous a kick parce que c'est le seul. Bon, alors, Frosty, par contre, si tu continues à être mauvaise humeur et à balancer des trucs sur les gens comme ça. Je rappelle que les moindres tensions demander, sur le serveur, c'est un bad def. Hein. Il nous doit 2 kills. Tu nous dois 2 kills. On s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il t'aura pu au moins rectifier sur la vidéo de l'inauguration. Tout se passe bien sur Twitch, c'est plaisir, vous êtes 3. N'hésitez pas à partager le live à fond. T'as un jeu, on pourrait pas mettre des anti-griffes locaux sur nos maisons. Oui, j'avoue que... Moi j'aimerais bien. Moi elle est pas complète. On est sur un serveur entre gens matures ayant fait une candidature, donc personne ne va griffer les maisons. Personne n'est assez con pour ça. J'espère. Ni les cops, j'en suis pas sûr du tout, mais pourquoi pas. Bah, c'est bien simple, si quelqu'un fait ça, il est ban, donc.
dans la cache. Et un des ennemis, il a une tête de Mexicain, je suis désolé, c'est pas une preuve de maturité, ça. Ah bon? C'est vrai. C'est moi, j'ai bien la tête de CLB, donc... dans le studio. Bon, on fait quoi? J'avais oublié cette appellation, okay. Jean-Claude. Allez, on fout la lumière, là. C'est pas possible. Bah, ça fait plaisir, en tout cas, il y a beaucoup de monde. J'espère juste que... Il y a combien de personnes ici? Fanax. Là, on est... On doit être 9 ou 10. 10 minutes plus tard. Mais j'ai juste une question, pourquoi chez moi, pourquoi il est pas ouvert? Pourquoi le médecin il est pas ouvert? Allez, allez. Putain, mais pourquoi il y a de l'eau ici? C'est pas moi. Ah bah, c'est bon. C'est ouf, ça. Et sérieux, il y a déjà des griffes dès le début, franchement. Il y a des bannes qui se perdent, là. Hein. Est-ce que c'est juste à côté du spawn à gauche quand on entre? Parce que si c'est ça, c'est moi qui ai fait tous les trous. Je suis battu contre une porte, hein. Mais hey, vous avez mis combien de monstres là? On est en difficulté. On est en hard. Monoboulou. Oh putain, encore des gens à bannir. C'est-à-dire que si je meurs, je respawn plus. Oui, bannir. Non, allez, on est en hard, en hard. Quand je voulais faire j'ai banni quelqu'un, c'est le B, je t'avais regardé le live, et bah y'a un mec qui a dit salut Monoboule. Ça va? Je lui, il est juste mort. Putain. Viens, on tue Water, je sais pas quoi. On avait mis un Peggy 10 sur la série, je me demande si... Je pense que je te défonce. J'avais envie de me retrouver entre gens de plus t'as de juste une pomme de notch, en fait. Là, ça devient désespérant, un peu, sur Uber. C'est beau, hein, la mer. Là, c'était un moment où j'avais vraiment envie de foutre des baffes aux gens. Faute de pouvoir donner des baffes, plus tard dans la série, j'ai donné des bannes. Et ben ouais, je suis sérieux quand je parle, quand même. Maintenant, il y a moins de monde, mais au moins, c'est des gens matures et sérieux. Vous inquiétez pas, vous pouvez venir, vous serez pas emmerdés. C'est juste pour mon humour de merde, bien. Mais je veux dire, si on peut faire confiance à personne, c'est plus possible, quoi. Ouais. Le monde est injuste, il faut aller porter plainte à la police. Mais bon, ouais. Bah, j'espère que tout se passera bien. En tout cas, qu'il n'y aura pas de problème de tension, de conneries comme ça. J'ai pas envie de ban tous les joueurs du serveur. Ah, j'entends un truc à péter. Un creeper. J'ai une question. Est-ce que loin d'ici, il y a une faille non explorée que vous n'avez pas explorée et tout gentiment très très loin d'ici, je pense, mais oui, il doit y en avoir. Non, justement, très très loin d'ici, c'est déjà exploré. Très 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 loin d'ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en haut du montagne en train de miner actuellement? Alright. Bravo. Passer sous le thème des flammes. J'ai des places de creepy water à la limite. Non, non, pas tout de suite. Nous allons on est bien ici. J'ai l'impression d'être dans un îlot de tranquillité alors que la tempête des noobs se déchaîne au dehors. Ah là, noobs. J'avoue que là, on est bien protégés au moins. On est. Je dirais même des kikous. Ah bah, c'est pas des kikous, c'est juste que c'est vu qu'on est trop nombreux, c'est le bordel et qu'ils se comportent pas avec maturité. Ils ont pas compris le concept du serveur, ils ont pas pris la peine de regarder les règles. Ouais. C'est LB. Oui, c'est donc c'est un peu des kikous. Tiens, vas-y. Vous êtes tous ici, bordel de merde. Ouais, sauf que. On est au studio. On se cache. On veut le calme. Oui, on se cache pas au calme. Genre, il y a que 3 personnes sur les autres convs, mais malgré tout, on est bien plus au calme. Tu pourrais arrêter d'avoir une torche enflammée en main, par contre. On va beaucoup se séparer sur les channels parce que c'est pas ma compagne. Quand on sera trop dans le noir, par contre. On fera ça. Ça crame les objets. En fait, si tu regardes, il y a la lave. Je vais y arriver par un CHTP parce que je suis un peu loin. Ok. Là, je suis chez The Creepy. Ouais, mais du coup, tous les autres vont le savoir si tu regardes le live. Tiens, voici ton texte. Qu'est-ce que tu me fais? T'as la bouche, toi? Non, c'est ce qu'il fait, il va pas le savoir. On record l'épisode 1 de ça. Ah oui, bien, ça, bien. C'est pas mal, ça. Ouais, non, en fait, c'est du PQ. Je remercie toutes les personnes regardant le live. Le live est d'étonnamment bonne qualité, ça. Ça me fait plutôt très plaisir. Il y a un peu de latence, il y a un peu beaucoup de latence, mais tant pis, on va passer outre, hein. On va pas être très sur le chat, hein. Je suis désolé. Mais quand je crois que je suis un MC4. Faucille n'a pas les autorisations pour aller dans la conve MC4. C'est pas normal, ça. Allez, on fait une danse de Mexicains avant. Bon, moi là, pour l'instant, je suis en train de jouer là sur l'ordi. Je vois bien une danse de Mexicains en string qui danse sur le bureau. Seuls les admins ont le droit d'y accéder. Et Frosty est en train de râler. Je suis MC4 à ce que je sache. Bon. Non. Cette zone, elle est réservée. Cette zone, elle est vraiment réservée. Réservée, je suis réservé. Hein. Vraiment réservé aux admins. Parce qu'il y a des choses cachées, hop, le bureau, je vérifie que tout est en place. Donnez-moi un texte, un thème. Mais je t'ai donné non, c'est bon, Fanax peut le faire. Fanax peut le faire. Fanax peut le faire. Tu payes ouvrir la compte MC4 et pas moi, appelez. Normalement, Frosty il a les autorisations, hein, je veux dire, merde. Oui, mais on va pas lui donner parce qu'on est des sacs. Voilà. Non, bah non. Pourquoi vous êtes tous partis? Je vais donner l'autorisation. On est dans un autre salon, c'est allez, pas pareil. Allez, maintenant je vais me giver des têtes au pif. Alors. Non. Je vais.
Voilà. Pour une fois qu'il voulait parler avec nous, ben là. Et donc la série MVO5 vient de commencer et c'est le bordel. J'ai tapé Poutine. C'est le bordel le plus complet, mais c'est pas grave, on va continuer à streamer pendant ouais, un certain temps. Je devrais caper mon record à 60 FPS parce que là. On inaugurait la série en brûlant le ruban rouge. Non, non En brûlant le ruban rouge à la place de le couper, c'est n'importe quoi. Bon. Spirit, moi je pourrais le faire correctement, mais il me faut juste un texte. Non, non, mais mets-toi ici, voilà. Tu fais comme si t'étais un le serveur lag comme pas possible, comme je pense qu'on sera pas aussi nombreux les autres fois. Ouais, bah c'est normal, y a trop de monde. C'est levé. Hein, viens filmer. J'arrive. On sait même pas ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Hop, le game mode 3 est ici. Mais. Tu le mets dans la centrale. T'es prêt pour savoir. Tu sais ce que tu vas faire? Moi okay, l'introduction part tellement. Okay. Fanax, c'est bon, tu Fanax, c'est à toi de jouer. Le cannabis, c'est... On en a strictement aucune idée, c'est pas grave. C'est parti. Et pour voir le résultat de ce premier enregistrement, veuillez vous rendre dans la playlist des MC4 TV, c'est l'épisode numéro 1. Et au revoir, à bientôt. À la prochaine. Il y a des parasites dans ce studio. Hein. Il y a éteint la lumière. C'était énorme, donc. Oh là là. Bon. En train de niquer le car... On est en train de niquer le tapis. Je pourrais le faire aussi, mais moi il me faut un texte, je suis comme ça. Bon, c'est bon, maintenant les joueurs peuvent vivre en indépendant. On n'a pas peur pour leurs conneries, normalement ils sont irresponsables. Hein. Il y en a un que je connais plutôt pas mal, les autres je les connais très bien. Ils ont même acheté le VIP, donc ils ont bien financé le serveur comme il fallait. C'est plutôt cool. Bon voilà, donc, c'était absolument n'importe quoi. Il y a une comme quoi c'est juste préparer un texte. Il y a une room tribunal sans autorisation sur le Discord, sur lequel vous pourrez poster les messages de plainte. N'oubliez pas, ceux qui regardent cet épisode, que le serveur est ouvert au public dès maintenant. Donc n'hésitez pas à le rejoindre sur l'IP que j'ai donné, et n'hésitez pas à regarder la vidéo d'annonce pour connaître tous les détails à savoir au niveau des règles, comment rejoindre le vocal, etc. Quand vous arrivez à partir sur le serveur, pensez pas que vous allez commencer à faire une maison de tout, vous serez spectateur, hein, et regardez la map. Ouais. Et surtout, non mais attendez, j'ai Windows Movie Maker, édition 2006. Tiens, c'est LB. Bien. Ouais. Je vais te montrer mon chez-moi en construction. Oui, d'ailleurs, du coup, il faut que je retourne couper du bois. Bon, il me faut du sapin. Vu tout ce qu'il me faut, le serveur c'est lag pas un peu, 4 mais bon. Plans de sapin qui vont m'aider à faire quelque chose. Bon bah moi je retourne à ma maison hein. Alors, voilà, alors. Ah, bon. Arrivé là où il y a de la cobble, il y aura une grande porte. 530. Encore une fois, quelqu'un oui, passe qui à travers qui les blocs. Écrit, bah, là, c'est par là. En langage SMS, donc s'il veut faire une candidature, je serai probablement un peu plus strict. Oui. Là, ici, il y aura une grande porte futurement. Attends, ça va être ça la station et le truc en bouse. Voilà mon chez-moi temporaire. Putain la vache! C'est la plus petite maison du travailleur. T'as construit ça comment? En quel game mode? T'as construit ça en quel game mode? En survival, j'avais tout le bois et tout, c'est facile après. Ah oh, nice! Juste un peu. Sympa! J'aime bien le style. C'est mignon. J'adore j'ai le concept. Aussi un peu aidé. Moi il me faut du sapin. J'ai pas utilisé tellement de ressources. Passer les annonces. Je veux le sapin. Que de la cobble, du c'est bois. C'est déjà et du fait, bois c'est déjà fait. Et pour revenir au niveau de chez Spirit, il faut appuyer sur le bouton devant la porte. Ah, je vois mon champ de sapin. M'en fous. Donc voilà, je vais espionner Frosty, je vais dans sa tête. La map est déjà vachement grande, vachement fournie. Il y a plein de choses qu'on vous a pas montrées. Mais moi, en fait, il y aura plus de sapin quand j'aurai terminé. Moi. Tu vois ça? Tu vois l'endroit où je suis? C'est un endroit qu'on a croisé. Ah, quand on... ça commence. L'endroit où je suis, c'est l'endroit qu'on a croisé quand on a visité, quand on est revenu du temple des mers. Quand on a fait le retour vers la base en bateau. Et ben l'île, le continent qu'on a croisé, c'était ça. C'est là où c'était exprès. Oh putain, mais bien le coucher de soleil rouge, les reflets rouges sur l'eau, c'est tellement beau. Bon, voilà. Maintenant. Moi, il va falloir que je construise ma porte. Allez, on voit les étoiles. C'est trop mignon. Il va falloir que je rentre chez moi, moi, parce que franchement... Là, moi, il y a des nuages. Ça va pas être easy, là, dans la flotte, de combattre des mobs. Bon, bah, cet épisode 1 est, pour le moins qu'on puisse dire, complètement fou. What the fuck. Et je pense qu'au montage, je vais bien ramer, ouais. Complètement normal. Ah ouais, tu vas avoir du la première partie, elle va être dure à monter parce que franchement, c'était un bazar sans nom et puis je râlais un peu. À chaque fois que je fais un live et qu'il y a moins d'imprévus, je râle comme pas possible. Ouais.
tu sais, l'épisode qu'on a fait dans le tank sous-marin, je le mettrai en ligne ou pas? En tant qu'épisode 4 de la série. Celui-ci, c'est épisode 5. Okay. 4 Ah, ouais, on 4. A fait 3 parties d'introduction, on en a fait une 4ème du coup. Et ça, c'est le 5ème épisode, mais le premier en bonnet du forme avec des gens et tout. Et j'espère que le public, que le nombre de joueurs... N'oubliez pas que le serveur est public, vous n'avez qu'à rentrer l'IP et accéder au serveur. Si vous voulez jouer quand même et ne pas rester en spectateur, bah faut faire la candidature dont le lien est dans la description. Toutes les informations dans une vidéo qu'on a déjà faite, et le lien est également dans la description normalement. Moi d'ailleurs j'ai fait la mienne. De candidature ? Voilà, enfin, faire une candidature. Aussi, je vais faire ma candidature. Ouais, faire une candidature, ça sert à rien. Oui, il faudra que je pense à la faire. Là, moi, mille pseudo-watch, nous sommes déjà en contact. Je m'appelle. Moi, je vais faire une candidature. Et je pense être un bon joueur pour les 25, étant donné que j'aime tout brûler, j'aime tuer tout le monde, j'aime voir trop grand. Mais aussi, bah en fait, je suis membre de MC4. Et si tu as toujours pas deviné qui je suis, à chaque défense. J'ai très bien deviné qui tu étais. C'est qui alors? Bah, c'est un Joff. Oh, mais il est con. Eh, oui. Bossé. Quoi? Pour l'instant, personne n'est parti à la recherche des systèmes secrets. Tu vas demander un truc marrant. Bah, alors, moi, je veux bien. Pas ce que je t'ai demandé, mais ce que c'est ce que les autres ont fait. Tinjoff est le dernier à se faire. Il a un défi. Zombie de merde, tire-toi. Voilà. Le défi de Tinjoff, c'est de. Avec des effets de potions bonus et plein de saturation, des trucs vachement sympas. Il a. Mais sans armure, il a pour but de ne jamais mourir une seule fois de la série. J'ai lui pas le droit à l'armure et j'ai pas le droit à l'effet en diamant. Mais il faut vraiment trouver un gage. Si jamais donne-nous il toutes les ressources. Si jamais il perd, et bah il est ban. Maintenant. Je ferai jamais faudrait ça. Faudrait déjà que je meure d'ici l'Under Dragon. Je crois que c'est le seul mot qui va l'Under Dragon sans armure, bravo. Sain de merde. Et oui, Zero. Couper du bois la nuit, c'est tout. Ouais, ça va être compliqué un tas enfin, pour tout ça. Et il a quand même fait déjà un donjon, ouais, un donjon de l'eau sans armure, et il a survécu. Et c'est ce que vous avez vu dans le précédent. Le seul à pas être mort. Le seul à pas être mort. Moi, je suis mort tellement un paquet de fois. Oui. Bon, pareil. Oui. On est à égalité, je crois. Bah, 22 fois. Hein. Égalité. Donc, je pense que la majorité des épisodes restera entre MC4. Pour pas que ce soit trop le bordel. Ouais. Sauf s'il y a peu de monde, dans ce cas-là, on ira dans le channel public. Mais quand il y a autant de monde que ça, on va dans le channel MC4. C'est le bateau. Bon, en soi, il n'y a pas tellement de gens autres que les Putain. MC4. Putain. Mais quand même, entre Frosty, tout le monde, voilà quoi. 5 viewers toujours sur Twitch encore, ça fait plaisir de vous voir. Aïe. Je crois que la latence de stream bat des records, je suis encore dans le studio. Ah oui, quand même, hein, c'est. Quand même. J'ai 5 mappages pour voir ce que ça donne. Squelette de merde, mourir. Ce studio il va être sympa quand même pour faire du montage et tout ça. Mm. Sur le serveur, dès qu'on a un event à annoncer, tu sais, on fait une vidéo qui annonce l'event à l'avance dans le stream. Bah voilà. Ouais, l'hôtel. Attends, je sais. J'ai de l'expérience pour avoir fait du vrai JT. Enfin, pas du JT, mais de l'information. Quelqu'un m'a volé un four. Ah. Je sais pas. Un four, c'est un four. Putain, mec, tu prends 8 cobble et paf. Un four. Oui, voilà. Bon, après, si t'as. Putain, mais je suis pas dans la merde. Merde. Oh, ah oui, là c'est un peu plus dérangeant. Oui, voilà, bah ça c'est normal. Hein, c'est. Bon. Sous le pif. C'est malheureusement normal. Utiliser des mots complètement has-been comme ça, ça m'aide à dédramatiser. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous voyez des joueurs ici qui sont pas membres de MC4, Wither et Camom, mais il y a aussi Hunter qui sont VIP. En jaune, c'est les VIP. D'accord. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie de ces gens, donc n'hésitez pas à venir. L'IP est donné dans le chat Twitch et il est donné dans la description de la future vidéo. Je suis chez Tinjoff là. Putain, Wither et. Ah, t'es chez moi ? Dans la rediff Twitch. Enfin, rediff non, mais le différé quoi. Quelle chambre ! Regarde cette phrase, j'ai marqué une chambre. Ok, donc moi je suis plutôt inactif là. Je vais faire des choses intéressantes. Oui. Mais c'est la nuit en fait, c'est gênant ça. Pourquoi là il y a un truc ici? Oui, c'est assez chiant. Surtout en tout cas, quand live est, le live est endiablé, il y a des gens, même sans qu'on s'occupe de live, il y a des gens à venir. Okay. On peut venir sur mon serveur? Oui. T'as vu ce que j'ai écrit dans le chat, CLB? Attends. Oui. Hop. Merde, ça c'est le.
L'eau, comme dirait Spirit. Hein, j'ai dit ça? Bon. Dans le Discord, CLB doit s'en souvenir. Bouf. Écoute, j'ai souvent la tête dans le cul, moi, faut le savoir. Je suis constamment shooté. Oh, faut que je me give la tête depuis la naissance, hein, je t'assure, les premières photos de moi, on a l'impression que je suis shooté. <C'est vraiment rire> N'importe quoi, le Spirit. Pour le vrai, hein, je vous l'assure. Aïe. Aïe, je me fais niquer, ouais, je sais même pas vraiment quoi. Deux viewers du live que je ne connais pas et que je salue avec toute ma sympathie m'ont demandé l'IP du live, l'IP du serveur. Je leur ai donné, donc je vais un nouveau joueur de temps en temps. Pour info, j'ai juste changé la cloque pour la porte du studio. Tiens, entre deux épisodes, il faudra que je règle certains messages, certains URL de messages qui sont peut-être un peu buggés. Donc voilà. Le shader est magnifique, vous ne trouvez pas? Ce serait bien que vous votiez en commentaire par le Stropol si vous voulez le Sonic Hazard Unbelievable Shader, que je suis en train d'utiliser. Ou Shielders, qui est celui-ci. Creepy, je déteste tes cousins éloignés. Lui, la différence n'est pas flagrante, voilà. Mais à force, vous verrez bien. Voilà. Si vous connaissez un peu les shaders, vous pourrez voter également. Voilà. Donc ce sera ça, le Stropol en description. Ouais, bon, ça aurait été le cas si on n'avait pas eu ce bug de Stropol, là, mais du coup, ce sera pour le prochain. Oh, putain, attends. Faudra que j'ai de l'inspiration pour certains Stropol en description. Je suis occupé, putain, je m'occupe déjà de quelqu'un. Moi, je dois devoir trouver le moyen de... Vas-y, rentre, what the... De nuit. Pourquoi il se fait violer? Vas-y, il se défonce. Ouais, c'est cool, la vie du serveur commence à naître petit à petit, ça fait plaisir. Hein, tu veux une chambre ou pas? C'est juste pour visiter. Non, je suis... Ok, bon. Je vais regarder la télé. Parce que moi, je dois m'occuper de Wither, là, il vient d'arriver. Hein. C'est l'hôtelier, toi, t'es hôtelier, quoi. C'est l'hôtelier. La secrétaire. Attends, je veux juste essayer un truc. L'IP du cerf. Voilà, donc là, il y a les champs. Ouais, non. Putain, c'est du sapin, mais déjà coupé. Ces deux-là aussi, c'est du sapin. Est-ce qu'ils sont coupés? Non, ils sont pas coupés. Parfait. Voilà. La quête du sapin. Si jamais vous avez des trucs à dire en vocal, ce creepy, vous pouvez switcher de conve as you want. Hein. Vraiment. C'est ça qui est pratique avec Discord, c'est que pour les communications, ça simplifie grandement. Zombie de merde. Quel beau paysage matinal, ça fait plaisir. Il y avait un truc qui allait exploser, putain. Et d'où vous brûlez pas, bande de zombies de... Brûlés en enfer. N'empêche, ils sont beaux, les champs de la Brigerie. Très probablement, je ne suis pas encore entré dedans. Que les personnes qui t'ont aimé se mettent à te renier. Bref. C'est pas au joueur que je dis ça, hein, surtout. Hein. Mais c'est une chanson de l'ermite moderne que je trouve rigolote, donc voilà. Je code avec le cul. La 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 la. Si ça va go par contre. J'ai dit ermite moderne, hein. Putain, il m'a mis le flou en fourrier. Même si le plus ces mecs sont même pas synchro, donc c'est hyper proche. Bon, en tout cas, Wither, bah, il est dans mon abri. Tiens, je vais vous montrer biographie des membres. J'avais déjà un client. D'abord la mienne, c'est la meilleure. CLB35 est le fondateur de la MC4 vidéo, le génie et des relations entre juristes. Oui, bah évidemment. Il a fondé la MCK Team en 2013. Beaucoup sont depuis partis. C'est dégueu en fait, hein. Oui, tu t'en rends pas compte. C'est extrêmement dégueu. Nimen qui s'appelait Ginette. Voilà. Nimen qui s'appelait Ginette. Tout le monde le sait. Okay. Merde. Par contre, je vais me poser une question. Tu vois, Wither, il est obligé d'être connecté. On est obligé d'être connecté simultanément au serveur pour que Wither, tu vois, il puisse, par exemple, l'éliminer et récupérer son stuff. Sinon, les portes, je suis obligé de les laisser ouvertes. Oui. Ou soit sinon je dois faire un système à Hooper pour qu'il rentre. Et... Ouais, faut te donner une clé aux clients de l'hôtel. Eh, les clients de l'hôtel, on pourrait devenir clients de l'hôtel contre des crédits FCM.
Le gay. Mais c'est pas, client de l'hôtel, c'est un truc gratuit. C'est gratuit, mon truc. Donc, mais... Voilà, c'est ouais, mais c'est juste que il est comme moi, il a un grand. C'est juste que les gens qui sont pas clients de l'hôtel doivent pas entrer, quoi. Sinon, c'est pillage. Non, mais moi, je vais faire toute une cité, donc les gens pourront y habiter aussi. J'ai une idée, je vais dire un truc à moi. Une cité. Ah non, je... Bon, bah, allez, c'est parti. Quand Shader. Azur, c'était de la merde, observez. Même s'il est incohérent et que les sources de lumière sont pas raccord, mais si c'est joli, je prends un screen. DLV. Cool. Oui. T'as vu l'endroit où j'ai commencé à construire? Ouais, j'ai vu. J'ai prévu déjà de placer des murailles à plusieurs endroits. Putain, donc, le type, il fait une cité médiévale, voilà. Quoi. Ouais. Bah, c'est cool. Moi, j'aime bien une cité médiévale. C'est stylé. Ouais, on viendra tous et on achètera une maison. Ouais. Ou qu'on du moins un terrain. Vous achèterez un terrain, oui. Parce pour l'instant, moi, je vais laisser le... Oui, non, j'ai mes propres plans. Cependant, il faut que je prenne toutes les ressources. Enfin, sauf si vous payez. Ce qui là, fait si que tu n'as aucun bois, à mon avis. Hein. Il te restera que le chêne, à mon avis, autour de chez toi. Il faut me payer plus pour la maison. Ouais, ce sont... Est-ce que quelqu'un s'est dénoncé pour le coup du four, là? Non. Non, c'est pas très grave. Mais... Moi, je suis... Évitez de faire ça, hein, piquer des ressources, tout ça, c'est pas fun. C'est pas très Charlie. Moi, je suis chez moi et je galère à trouver un design de porte. J'ai hâte. Allez, je vais passer. Trop de mise à jour. Pourquoi ça crépite? Juste en train d'essayer de faire un système qui marche à peu près. À peu près. Papa la papa. Et donc, nous allons cesser ici ce cinquième épisode et premier public de Minecraft vous est offert. J'ai hâte de voir vos résultats de sondage. De toute façon, ce sera appliqué qu'à épisode 7 ou 8, je pense, voire plus, parce que voilà, on prend de l'avance. Et donc, je vous remercie du visionnage, vraiment, je vous remercie très sincèrement du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB, à la prochaine sur le serveur. Je compte sur vous. Salut. Ciao les gens. Ciao. Il y a un gem ici. Sérieux? Ok, non mais là il y a plus de respect. Quoi. Voilà. Retournement de situation. Tant. C'est quoi ce délire volent. Mon Dieu, c'est ouf. Quoi, les gens me piquent ma stone. Ah, putain, mais il y a même un trou dans mon plancher. C'est en quoi fait, ce délire tout volé quoi. Mais merde. C'est le mec qui a volé mon four et en puis fait, il regarde derrière lui et mes portes, il regarde au-dessus de lui et mon toit, il regarde, il voit qu'il n'y a plus rien en dessous de lui et mon plancher. Et ma table de craft, sérieux. Et mon lit, mais c'est quoi ça? Et lui. Et le goût. Et le goût. Et la vue. Et la vue. Et la tête. Alouette. C'est quoi cette merde? Non mais sérieux, ma maison est vide. Il y a plus que mon coffre. Il manque mon double coffre. J'ai plus qu'un seul de mes deux coffres. Putain, quand ça je disais que je voulais des antigriffes locaux, c'est pas de la blague, hein. Bah oui, hein, c'est... Frosty a plaidé coupable, et on a banni Frosty. Mais on songe à le débannir, parce que c'était une connerie, ça arrive, ça va, bon, griffe le jour de l'épisode d'inauguration, c'est pas malin. Mais Bandef a été un petit peu dur quand même, toujours est-il qu'il est sûr et certain qu'il ne retrouvera jamais ses droits d'administration, obviously. Creepy. Ouais, il me repose mes affaires. Je fais comment pour s'en sortir? C'est bien, il me repose mes affaires, il me repose tout, bah c'est très bien. Attends. Je suis sûr, il s'ennuie. Ok, donc ça. Parce que j'ai décidé de déménager. Putain, la bonne ambiance sur ça. Ouais, tout ce qu'il veut, c'est d'être en game mode. Hein. Il a pas pris la fortune 1. Ouais, c'est bon, il a rien pris. Dès qu'il a fini tout ce que. Il a fini là ? Je sais pas. Pour l'instant, Wither, là, il s'occupe bien dans mon abeille. Ok. Oui, Wither, ça va, celui c'est bon, ça va. Bon bah je vous laisse hein, les viewers, et puis on reprendra les épisodes quand tout sera revenu au calme. Et petit complément à cet épisode, premier épisode avec un public il me semble, de mémoire, à moins que je ne me trompe de dossier, non c'est bon j'ai rien dit. Le matin se lève, je me suis un peu promené sur la map,
J'ai quelques abonnés qui m'écoutent, Witherboy et Girlfriends, qui sont en train de m'écouter. Krolix vient de rejoindre le serveur. D'ailleurs, Krolix, avec qui j'avais fait une vidéo il y a un certain temps. Voici un item secret là-haut qui n'a pas été pris. Ça se voit au nombre de command blocks. Donc, je vais monter là-haut. Je vais bridge avec du gravier. Ça va être très pratique, le gravier. Ah, voilà. Oups, hop, alors c'est parti. Il y a 24 items secrets sur la map. Wizardboy qui se balade beaucoup en a déjà trouvé 5. Bien joué à lui, même si ça c'est pas terrible en soi. Ok, MVO2, Joris First Industries. Yeah. J'ai trouvé un item secret. L'item secret célébrant la première apparition des industries Joris durant Minecraft The Offer saison 2. Et bah c'est parfait, je vais pouvoir descendre et ramener tout ça. En soi je suis bête, je peux même faire ça. Hop, et... Voilà, ça va un peu plus vite. Merveilleux. Bon bah voilà, c'était le petit supplément de post-générique, salut. Merci infiniment à vous de regarder les vidéos jusqu'au bout. Pour vous récompenser, je ne vous donne strictement rien, mais ceci dit, je vous recommande tout de même de checker le Twitter. Je vous recommande également d'aller voir le Discord, d'aller voir la vidéo mise à gauche pour apprendre des trucs, rejoindre le serveur tout simplement. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir pour le prochain épisode. C'était CLB.